Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de Retour sur Call of Duty. Et aujourd'hui, en ce petit matin de bonheur et de bonne humeur, bonne journée à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, et j'espère que vous passerez un excellent moment en ma compagnie, tel est le but, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons tester un mode qui fait des ravages, éliminer l'ennemi, tout en expérimentant des modifications du gameplay tout au long de la partie. Je sais pas ce que ça donne, j'ai aucune idée, mais c'est le nouveau mode de jeu de la saison 5, et apparemment, il y a des petits trucs rigolos dessus. Rigolo. Ah, c'est rigolo. Apparemment, ça change un peu. Alors, j'ai cru voir un clip ou deux, comme ça, des petites... On n'en parle pas trop. Alors, c'est vrai que, bon, ah, la saison 5. Parlons un peu de la saison 5 qui est sortie là. Au final, bah, c'est un peu éclaté quand même. Voilà. Hein, je veux dire, bon, t'as deux armes. Ouais, c'est sympa. Ok, voilà. T'as deux maps. J'étais un peu déçu quand même. Strike, je m'attendais... Tu vois, j'avais des petits souvenirs. Bah, tu vois, j'étais content. Et puis finalement, c'est comme... Ouais. Et l'autre, là, Punta... Punta Mar, pardon, excusez-moi, j'ai ma langue à fourcher. Asilo. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des maps qui sont nuls quand même sur ce jeu. Attends, on va faire autre chose quand même. Me prends pas pour un Yokonkon, là. Je viens de me réveiller, tu me mets Asilo. Doucement, mais une map avec un peu plus de lumière, tu vois, pour réveiller. Et du coup, c'est vrai que la saison 5, bon voilà, t'as le pass de combat, t'as le Black Cell, etc. T'as l'impression que maintenant, les nouvelles saisons, c'est le pass de combat Black Cell, et puis le reste, c'est ostentationnaire. On invente des mots, pourquoi pas, c'est samedi matin, on fait ce qu'on veut. Et du coup, voilà, on a... Mais si t'enlèves un peu tout ce que tu dois payer pour, dans la nouvelle saison, bah deux nouvelles armes, deux nouvelles maps. On va pas faire des grosses crottes avec tout ça, hein, hein. C'est pas non plus... Ah voilà, Santa Senia Border Crossing, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Non mais bientôt, il y aura c'est Santa Senia Border Crossing, tu vois, ça c'est la map préférée, c'est la meilleure map. Alors, ah mais attends, mais en fait, ah ok, ok, alors il y a Prius, et Prius, il te, ça va Prius, attends, on va le mute lui, parce que tu sens qu'il fait, ah bah du coup en fait, what, attends mais, c'est quoi ça, la voix des camions, regarde, je flotte dans les airs, je flotte dans les airs frérot, c'est jetpack, waouh. Wouah! Passe de combat! Ah mais attends, mais... attends, je comprends pas. Du coup... Je peux pas choisir mes armes. J'ai les classes par défaut. Mais le mec, il a quand même ses hélicos de merde. D'accord, ok, super. Wouhou! Ah, une petite Semtex. Non! Ouais, c'était parce que je suis arrivé en cours de game, hein. Ah mais t'as vu le gars comment il est haut là-haut? Allez plus haut! Ah, attends, je vais pas chanter sinon je vais me taper des copyrights, bah tu sais qu'une voix, pareille. Wouah! Y'a des jetpacks sur Call of en 2023! Les jetpacks sont de retour! Les jetpacks sont de retour! Ah j'ai le Wilson HS. Ah oui d'accord, mais les streaks c'est par défaut en fait. Mais c'est quoi ça? Ah non mais... Mais il est monté à l'envers. Ah... Ah voilà. Je sais pas, c'est la première fois que je le conduis. Voilà, fais pas le mariole. Faisais pas les marioles les gars, faisais pas les marioles. J'ai pas des... Bah voilà. Ah j'aurais pu le mettre en automatique. Ah mais on m'a tué. Oh bah non, c'est pas cool ça. Alors j'ai comme l'impression que, tu vois la barre en haut. C'est vrai que je suis arrivé après la guerre, tu vois. Mais là, je peux mettre un drone, voilà. Vous attendiez pas à ça, hein. Vous attendiez pas, regarde. Wouah. C'est rigolo. C'est ce que ça donne s'il y avait eu des jetpacks à l'époque sur MW2. Ouais, bah j'ai fait. Bah, je sais que j'ai fait du bon boulot, mais ça c'est un petit peu ma marque de fabrique, faire du bon boulot, tu vois. Donc, excellente nouvelle, les amis. Les jetpacks sont de retour sur Call of Duty en 2023, ça vous avait manqué. On l'avait eu avec l'exosquelette sur Advanced Warfare, on a eu Black Ops 3, on a Infinite Warfare. Ça ne s'arrête pas là, Modern Warfare.
Que dis-je? Madame Enfer! Il y a les jetpacks. Bah, c'est pas les jetpacks, mais c'est comme des jetpacks. En vrai, c'est rigolo. C'est rigolo, tu vois, quand ça se condamne à un mode de jeu. Parce que bon, c'est vrai que si on parle un peu des Call of avec jetpack et ci et ça, machin, bon, Black Ops 3 était quand même pas mal. Black Ops 3 était pas mal. Si on devait en garder qu'un sur Advanced Warfare, Black Ops 3 et Infinite Warfare, je vous pose la question aujourd'hui, mesdames et messieurs, quel Call of garderiez-vous? Advanced Warfare, Black Ops 3 et Infinite Warfare. Ou devrais-je dire Advanced Warfare, Black Ops 3, Infinite Warfare. Lequel tu choisis? Moi, je choisis Black Ops 3. Voilà. Parce qu'après, bon, Infinite Warfare était pas un mauvais jeu. Mais c'était pas forcément un super bon Call of. Mais c'était pas un mauvais jeu. Il était vraiment fun, c'était rigolo. Le mode zombie d'Infinite Warfare. Bon, après, c'est ça. Chaque Call of, tu sais, quand il sort, toujours un petit peu, bon, on est hype avant qu'il sorte. Il sort, on est content. Au bout de 2 semaines, on commence déjà à se plaindre, disant ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ah, après, bim, chaque année, il y a toujours les gars qui arrivent en mode ouais, mais de toute façon, comme chaque année, tu vas hype et puis après, tu joues plus, etc. Bah, comme tout le monde, fais pas chier, merde. Je suis pas le même seul qui quitte le jeu, qui quitte le navire. C'est un peu comme tout le monde. De toute façon, le cycle de Call of, c'est le même depuis des années. C'est avant que le Call of y sorte, bah on se hype pour que le nouveau Call of il sort, c'est trop bien, on s'amuse, c'est génial. 2 semaines après, bah ça commence à faire chier parce qu'on se rend compte des défauts, on a fait un peu le tour, etc. Et puis après, bah voilà, on quitte un peu le truc. Ah bah là j'ai mes armes au début alors. Je comprends plus rien, je sais plus. Et puis après, on retourne sur les anciens, finalement les anciens étaient mieux, et puis on se raille pour le nouveau, et puis bon, chaque année c'est pareil, on va pas en faire la même musique, et cette année sera sûrement pas différent que les autres. Alors là, on doit éliminer l'équipe. Y'a pas... Ah oui. Allez, casse-toi là, regarde. Ah ouais, mode low gravité. Yaha ! Tu voulais faire quoi, gars ? Ah ! Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Mais c'est vrai que, bon, MW2 a déçu en soi parce qu'il était plein de promesses. Je pense que moi, j'ai eu moins de déceptions avec Vanguard, hein, je vous le dis. Hein. Bah oui. Ça me dit, ah bon? Ah bah oui. Bah parce que Vanguard, j'attendais rien, donc je vais pas être déçu d'un jeu dont j'attends rien. Eh, on t'emmerde pas trop, toi? Tu me dis si on dérange, hein. Franchement. Alors lui, le mode low gravité, il le passe super bien. Eh, tu sais qu'il y a mode low gravité? Quoi? Mais mec, ça fait 15 games que je fais, je m'en suis même pas rendu compte. C'est quand même étrange. Ah, franchement, pas mal le mode low gravité. Hein. Pour nous, c'est pas pour nous. Je suis vraiment un connard. Je suis vraiment. Non, mais arrête. Non, mais c'est pour montrer un truc. Je rigolais, les gars. C'était pour rigoler. Vous énervez pas, quoi. Donc, ah, un coup. Élimination d'un tir dans la tête. Ah d'accord, donc n'importe quelle arme, un tir dans la tête. Oh, attends, bah on va regarder. Il y a plus le gravité, si, bien sûr. Ah ouais, on se fait allumer, mais attends, mais... Bah du coup, ça serait... Là, tu prends le pistolet, par exemple. Et ça compte les défis, alors, tu vois. Attends, mais je... Vous êtes où? Bah, boum, headshot. Ah, c'est fun, c'est rigolo. C'est rigolo. Il est où ce con? Oh bah... Ah, attends, il y a un nouveau truc là. C'est quoi ça? Ah, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je suis mort. Il m'a rien dit. Il m'a pas tenu au courant. Ah mais attends, on les voit en fait. On les voit, d'accord, il y a un drone constant. Ouais, il m'énerve. Il m'énerve déjà. De toute façon, je suis sûr, c'est... Bon, je vais pas dire de gros mots, c'est pas le genre, mais... Ah, c'est vrai que c'est... Quand tu dois sauter comme ça, tu veux faire... Allez, regarde. Dommage. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on a mieux à faire. Attends. Ah, c'est... Ah ouais. Ah ouais, c'est le jetpack qu'on contrôle pas forcément. Mais merde! Pardon. Bien joué. Bien joué. Bah, en vrai, c'est rigolo. Là, tueur sensoriel. Lancer une grenade sensorielle à chaque élimination. D'accord. Et on les voit déjà à travers les murs, les ploucs, non? Ah, d'accord. En fait, quand tu le tues, il y a une sensorielle autour de lui. Ah, oui, tu jettes pas, en fait. Ça active. Là, il y a l'air d'avoir du monde. Boum, headshot!
Du coup, en fait, le mode des headshots, là, il se garde ad vitam aeternam, en fait. Automatiquement, tu mets dans la tête, ça tue, quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est rigolo. Bah, je pense que tu peux prendre, du coup, des armes qui sont vraiment éclatées au sol. Et tu peux faire des long shots avec ça, tu vois. Boum, headshot. Là, on monte là, et là, hop. Merde. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Zut. C'est malaisant. En vrai, je pense que... on pourrait sauter un peu plus haut. Ouais. Je le pense. Donc je suis. On pourrait sauter un peu plus haut. Là, il y a un autre gars là. Mais il est mouru, en fait. C'est mon dernier chargeur. Cochon. Ça, oui, c'est la map de Call of Duty 4. Tu vois, regarde, même si t'as un shoot approximatif, tu t'en fous. Tu tires dans le tas, tu mettras bien une tête. Tu es 60 online. Ok. Ok, moi qui voulais tenter un trick shot, je vais relancer les trick shots. Voilà, je vais relancer les trick shots. Tu es 60. Oh my god. Tu es 60. Là, tu peux faire un double 360. Ouch. Dommage, le noscope, c'était si proche de sa tête. Et là, le dernier mode, c'est quoi alors? C'est tout? Attends, I don't understand. Tout à l'heure, j'avais arbalètes. Pourquoi j'ai pas d'arbalète là? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on comprend pourquoi il aime bien ce mode, lui. Ah ouais, il se dit, bah écoute, sur 15, s'il y en a une qui passe dans la tête, c'est bon. Ça suffit, hein. Ah ouais, ouais. Non, mais en vrai, c'est fun. Tu vois, on parlait un petit peu de la saison 5, des nouveautés de la saison 5. T'as deux armes, bon, ouais, c'est cool, ok. Les deux maps, c'est sympa, mais bon, c'est pas non plus, tu vois, c'est... tu vois, il y a des fois, t'as l'impression que le problème, en réalité, et c'est la chose qu'on a eue sur MW2, il y a eu trop peu de contenu au départ. Donc, on a fait très rapidement le tour. Donc au début, tu t'amuses, tu fais tes petits trucs, tes machins, etc. Mais au bout de deux semaines, bah, les 7 maps, tu commences à les connaître par cœur, tu commences à te faire chier. Donc, à chaque fois qu'ils te rajoutent du nouveau contenu sur les saisons, c'est un petit peu au compte-gouttes. Tu vois, c'est une petite map par-ci, une petite map par-là, tu sais, c'est pas grand-chose. Ça, c'est comme mettre un petit verre d'eau dans le désert, tu vois. Tu dis, ouais, ça rafraîchit, mais il va vite s'évaporer, quoi. Donc, c'est un petit peu ça le problème. C'est que finalement, t'as l'impression que ça fait vite le tour quand même. Et c'est pas grand-chose. Et là, c'est vrai que, bah, par exemple, sur Warzone, t'as que dalle. La map d'Almazra, elle a absolument pas changé, t'as eu zéro event. Ça fait 8 mois que la map, elle est sortie. Même sur Caldera, en 8 mois, qui était critiquable. On a critiqué, parce qu'on critique tout, de toute façon. Bah, on n'est jamais content, mais c'est normal. Les joueurs Call of sont jamais contents, faut s'habituer maintenant, arrêtez de nous embêter. Hein, parce que les gens qui disent... Ah ouais, tu dis que t'es content, puis après tu te plains, et puis qu'est-ce que c'est? Et puis alors que ça peut te foutre, je fais ce que je veux, non? Hein? Parce que je vois les commentaires dans les vidéos YouTube, les gars. Allez, c'est parti. Alors effectivement, c'est intéressant ce mode, parce que tu dis... Là, pour le coup, c'est un mode original, c'est un mode fun, et c'est ce qui manque, les modes fun sur Call of, tu vois. Et c'est bien qu'ils aient mis ça, parce que je crois pas qu'on ait déjà eu un mode comme ça sur Call of, donc là, pour le coup, c'est vraiment un mode vraiment original, tu vois. Ah bah là, regarde, ça c'est pas mal, tu vois, on voit qu'il part directement. D'accord. Alors, bon, je connais pas trop la map, je pense que c'est vu sur le coup, parce que je pensais qu'ils allaient arriver en bas. Ah, j'étais dessus la deuxième balle. Amdo. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi? Ça fait quoi le truc? J'ai pas lu. J'ai un manque d'attention cruel à l'intérieur de moi. Non, c'est pas le... Boum, headshot. Non, arrêtez. Bon, au moins, ce qui est cool, c'est que chaque game se suit, mais ne se ressemble pas. Et ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est intéressant. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais c'est... Attends, t'es sérieux? T'es sérieux que... Attends, j'ai failli crever. La voiture explose. Mais la petite... Betty à côté, intacte.
intacte. Elle a pas souffert, la Betty. Gamin! What? Mais non! Mais non! J'avais la couette feed! Et ce con, il me met à l'eau gravité au même moment! Ça aurait pu être stylé, hein, mais. Ça aurait pu être stylé. Oui, j'ai un peu de choc. J'ai un peu de choc. Regarde ce qu'on va se faire là. Boom, headshot. Waouh! Waouh! Ah ouais. Dommage. Est-ce qu'on peut monter là? Ah, c'est dommage, c'est dommage. Oh putain! Oh, les glissades! Oh, oh, oh! Regarde, 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 les plongeons, regarde! Ah, c'est trop stylé! Ah, allez, oh, regarde les plongeons! Réro! Regarde. Attends, 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 attends. Attends, faut que j'aille me mettre en hauteur. Parce que les plongeons, c'est incroyable en vrai. Les plongeons sont incroyables. C'est quoi le dernier? Renouvellement du système, réinitialisation complète des modificateurs. Lancer des grenades, Semtex, après chaque élimination. Ah, on est revenu à zéro. D'accord, ok, réposition de munitions. Charger à bloc. Il n'y a plus le low gravité du coup. Allons. Ah, changement de caméra. Oh! Oh le twist! Oh le twist! Oh le banger! Oh le cliffhanger! On est à la troisième personne! Ça, ça fait longtemps que j'avais pas joué à la troisième personne! Oh, mais laisse tomber! C'est quoi ce délire? Oh, trop stylé! Mais t'imagines la troisième personne avec le l'eau gravité? Ça doit être trop bien, là, en vrai. Il peut y avoir des petites combinaisons plutôt sympatoches. C'est vrai que... Ça fait longtemps que j'avais pas fait... Ça fait longtemps que j'avais pas fait de la troisième personne. Et ça, pour le coup, c'était une chose qui était cool sur MW2. On a tendance à critiquer un petit peu et se plaindre, mais c'est vrai que la troisième personne, c'était quand même plutôt cool. D'ailleurs, on avait la troisième personne sur Warzone, je crois qu'ils l'ont retiré, c'est un peu dommage, parce que t'imagines une petite troisième personne sur Vandel, ça pourrait être rigolo, en vrai. Ouais, c'était nul. Troisième personne sur Warzone, ça... Je sais pas, ils le mettent plus, ça. Ils le mettent plus, mais c'est vrai que t'imagines troisième personne sur Vandel, ça pourrait être sympa, non? Ouais, non, mais c'est bien, franchement, je suis content. Y'a pas... y a un gars là, on est d'accord. Juste, il fait genre qu'il y a personne, mais. Mais il va où? Mais. Putain, le petit noscope là! Aïe aïe aïe! Putain, mais arrête de t'allonger, t'es fatigué frérot! Moi je saute, je suis des gars en noscope qui sont en train de monter l'échelle! Ça c'est artistique! Ça c'est du style! C'est la classe! Ah là 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 là! C'est sympa! En vrai, ce mode de jeu est cool. Ce mode de jeu est validé. Voilà, je pense que, en étant complètement objectif, c'est la meilleure chose de la saison 5. Parce que c'est, une, on va dire, une réelle nouveauté, un truc fun, une façon fun de jouer. Il n'y a pas de prise de tête. En plus, tu vois qu'il n'y a pas de killstreak. Donc, c'est vraiment juste du fun. J'aime bien, je valide, c'est cool. Et en plus, chaque game, parce que si la rotation des événements était la même chaque partie, ça serait ennuyant. Tu vois, tu dirais, bon, bah, je fais une game, deux games, trois games, tu dis après, bon, voilà. Mais là, il y a quand même le petit...
le petit côté de l'imprévu, tu vois, tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Et en plus, à la fin, tu vois, le petit twist en mode, on remet tout à zéro, à l'homme, c'est reparti, tu vois. Donc, il y a quand même... Alors, j'aimerais bien, je sais pas si c'est possible du coup, mais t'imagines, mode troisième personne avec le low gravité, ça doit être rigolo. Hein. Ça doit être sympa, ça doit être fun. Mais c'est vrai que le mode de troisième personne était une chose cool qu'on avait sur MW2. Et c'était un bon hommage finalement à MW2 d'origine, parce que je pense que beaucoup ne se souviennent pas, mais sur MW2 d'origine, on avait le mode à la troisième personne. Hein, ça date de ce Call of Duty-là. Donc déjà, depuis en 2009, on avait Call of Duty à la troisième personne. Très peu joué, certes, mais ça existait. On l'avait sur Warzone, je crois qu'ils l'ont retiré. Bon, après, dans leur menu, des fois, il y a tellement de trucs, tu t'y retrouves plus. Ça, c'est pareil. On avait un menu tellement simple à l'époque, et bah, ils se sont dit, tu sais quoi, rien que pour faire différent, on va faire super compliqué. Des fois, c'est ça, Call of, t'as l'impression, c'est l'art de faire compliqué quand on peut faire simple. On met pas grand-chose de nouveau, mais c'est tellement compliqué que en fait, t'as aucune idée s'il y a de la nouveauté ou pas, c'est juste que t'es paumé, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est cool. En vrai, c'est cool. Pour eux, MW2, c'est terminé. Salut mon petit Lapinou, comment ça va? MW2, c'est terminé, c'est en fin de vie. Ce qu'ils veulent maintenant, et le but, ça va être de, techniquement, un petit peu dégoûter les gens de MW2 pour qu'ils aient juste envie d'acheter MW3. Alors là, attention... sensoriel. Ok. Et moi, je me dis, un petit mode comme ça, ravage sur Warzone, pourrait être rigolo aussi. Oh, putain! Ah ouais, j'étais mauvais, hein. Un petit mode ravage sur Warzone, ça pourrait être sympa. En vrai, côté... Tu vois, quand ils ont mis les super pouvoirs, j'ai vu beaucoup de gens un peu critiquer, ouais, non, c'est nul et tout. Moi, je trouvais que c'était fun. Putain, enfin, un petit peu de fun sur le jeu. Un petit truc qui change un petit peu, c'est sympa, quoi. C'est sympa. Mais du coup, il y a pas mal de gens qui se sont plaints. Bon, je dis, hein, comme un vrai fan Call of se plaint, sinon c'est pas un fan Call of. Mais moi, je trouvais que c'était sympa, il y avait un petit peu de fun, c'était rigolo. Ah, MW3 va être une simple amélioration d'MW2, j'en ai aucune idée, hein, vraiment. J'espère juste qu'ils vont régler quelque part les défauts du passé. Ah, je suis nul, Ah, là, on a le drone toujours actif. Ah, il m'a eu, le coquin. Bien, wesh, il m'a eu. Ah, ça arrive sur le côté droit. En vrai, c'est bien, ça te permet d'étudier les respawns en règle générale. En apesanteur. Ah, du coup, je suis omnibulé par la minimap. Ah. En fait, c'est vachement perturbant parce qu'il n'y a pas un moyen de réatterrir plus rapidement par terre. Donc du coup, une fois que t'es dans les airs... Ah, une fois que t'es dans les airs, tu te sens un peu con, quoi. Tu vois, tu te sens un peu con. Je suis derrière toi. Ah, tiens. Ah, attends. On fait ça, et là... Ouh. Non, il y avait un petit style, attends. Les glissades, elles sont trop bien. Ah non, on va voir comment ça fait dans la killcam. Il est pas fun du tout, par contre, ce type. Lui, il se croit trop, il se prend trop au sérieux, quoi. C'est... En vrai, en apesanteur, les... C'est rigolo. C'est rigolo. Transformation d'arme, hein? C'est quoi, sa transformation d'arme?
Ah oui, d'accord, ok. Ah, je comprends. Ah, c'est genre un jeu d'armes. Ah, c'est ça, c'est un jeu d'armes intégré en fait. Tu fais un kill, bam, ça te donne une autre arme. Hein? Attends. Ah ouais, d'accord. Mais c'est trop stylé. Mais mec, t'as... Ah ouais, c'est fun. Non, mais je suis nul, mince, bon. Zut, crotte, chier, merde, caca. Fuck. Attends, on va prendre ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris le W2000, en vrai, comme... J'ai pris une classe vraiment par défaut que j'avais là. Ah oui, d'accord. Ah ouais, alors eux, ils ont des AR, moi, je me tape des bouses à chaque fois. Super, ouais, trop bien. Je peux pas... Mais je peux pas! Mais pourquoi tu me files des armes de merde? Mais mince alors! What the fuck is this? Non, en vrai, c'est. En vrai, enfin! Enfin! Un truc cool sur Call of. Ce mode de jeu, vraiment validé. C'est vraiment fun. Là, sur le coup, en fait, c'est ça qui est cool, c'est que tu sais jamais ce qui va se passer. À un moment, t'as les jetpacks, à un moment, enfin, je dis jetpack, comme ça on comprend, l'eau gravité. T'as un jeu d'armes qui est... Là, boum, c'était du jeu d'armes, etc. C'est fun de ouf, quoi. Ça, c'est un vrai truc 100% original. C'est pas un truc recyclé. Parce que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, mis à part la map Punta Mar, tout a été recyclé, quoi. Là, c'est un vrai truc... Voilà. Là, je dis, ok. Là, c'est fun, c'est rigolo, c'est sympa, c'est... J'aime bien. J'aime bien, je suis content. Voilà, je viens. Alors oui, quand c'est de la merde, je le dis. Mais quand c'est bien, je le dis aussi.